Salut, salut la gang, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu ma commande juste à temps pour le long week-end. Je suis contente parce que j'avais presque plus d'aloise. Alors, j'ai décidé de l'ouvrir ensemble pour vous montrer ce que j'avais commandé et vous expliquer les grandes lignes de ce qu'il y a dans ma commande. Alors, dans un premier temps, il y a le fameux aloise. L'aloise qui est un supplément au niveau de la santé digestive. Un anti-inflammatoire, anti-acide, anti-reflux, anti-ballonnement. Il vient vraiment nettoyer notre système digestif, éliminer toute l'inflammation qu'il peut y avoir qui est due par une mauvaise habitude alimentaire, l'alcool, le gras, le sel, le sucre. Donc, c'est vraiment un must. Il y a plus de 80 bienfaits au niveau du système digestif. On a plein de saveurs. Celui-là, c'est mandarine. Je le prends en gros parce que c'est vraiment ma saveur préférée. On a aussi canneberge. On a aussi mandarine. C'est celui-là. Et j'oublie l'autre, mangue. Mangue qui est le favori, je vous dirais, de façon générale. Il y en a un sans saveur aussi. J'ai aussi hein, plein de papier bulle, les enfants vont être contents. J'ai aussi une protéine à la vanille. J'ai pas le substitut de repas, j'ai vraiment juste la protéine. Chez Herbalife, la protéine et le substitut de repas sont séparés. Pourquoi? Ben, c'est pour venir travailler au niveau de chaque personne de façon à qu'est-ce qu'ils ont besoin. On mélange vraiment le substitut de repas et la protéine ensemble pour être considéré comme un repas qui est complet, qui nourrit sainement notre masse musculaire et notre corps en fonction de ce qu'il a besoin. Si on vient juste mettre le substitut de repas, mais souvent notre apport en protéines ne sera pas suffisant, donc ce ne sera pas nécessairement considéré comme un réel repas. On va avoir faim plus rapidement aussi, on va tomber dans un gros déficit calorique. Et vous voler les bulles, il y a les éclats. On va tomber dans un gros déficit calorique, ce qui va faire en sorte que, ben, quand on va arrêter de prendre les chèques, on va le remplacer par un repas qui va être inévitablement plus élevé en calories. D'où souvent les gens disent, ah, j'ai pris des chèques, puis finalement, quand j'ai arrêté, j'ai tout repris mon poids. Ben, c'est pour ça. Parce que souvent, on tombe trop dans un gros déficit calorique, puis c'est ce qui n'arrive pas quand on mélange la protéine puis le substitut de repas ensemble. Aussi, ben, les gens qui ont des petits appétits peuvent commencer avec juste le substitut de repas. Les gens, au contraire, qui ont un gros appétit, on peut combiner les deux, augmenter l'apport en protéines. Les gens qui s'entraînent, on peut augmenter l'apport en protéines ou même on peut prendre juste la protéine après un entraînement. Donc, d'avoir les deux comme ça offre une super belle polyvalence en fonction des besoins individuels. Il y en avait deux. D'autres, il y en a plein d'autres. Le sel activateur. Le sel activateur, c'est un de mes produits chouchous. Je suis vraiment pas comprimé, médicaments, vitamines d'envie. J'apprends beaucoup avec Herbalife à les utiliser. Entre autres, mes préférés, c'est les multivitamines, évidemment, les oméga-3 et puis celle-ci, le sel activator. Donc, le sel activator, qu'est-ce qu'il vient faire? On ne verra pas, tu sais, comme l'aloès, comme la fibre, comme le thé, on ne verra pas d'action directement reliée à la prise des suppléments. Par contre, il va accélérer le processus de perte de poids principalement, de prise de masse musculaire. Comment? Ben, il vient travailler au niveau des glucides, de la métabolisation des glucides. Reposant. Hein? J'ai reçu. J'avais à me concentrer. Je sais pas si vous m'entendez. Donc, chaque glucide qui va être pris par votre corps va avoir tendance à être plus. Moins stocké. Ah, ok, c'est bon, plutôt. Même pas. Moins stocké par le corps. Donc, les glucides peuvent être utilisés comme une source d'énergie ou encore être stockés sous forme de gras, sous forme de réserve. Donc, grâce à le sel activateur, notre corps va avoir plus tendance à utiliser nos glucides comme une source d'énergie plutôt que de les stocker en gras.
Il vient travailler aussi au niveau du gras viscéral. Le viscéral, qui est le gras qui se loge autour des organes vitaux, qui est nocif pour la santé et qui est difficile aussi à faire partir. Puis il vient travailler aussi au niveau de l'assimilation des nutriments, donc comme l'aloès, comme plusieurs autres suppléments. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est que naturellement, grâce à ça, notre corps va assimiler plus de nutriments directement de notre nutrition. Tu vas manger un brocoli, ton corps en assimile un certain pourcentage, mais grâce à ça, il va en assimiler plus. Donc, tu vas avoir plus de vitamines et minéraux dans ton corps grâce à ça. Donc, tu vas gagner, veux, veux pas, en augmentant cet apport-là en santé digestive, en énergie, en sommeil aussi. Donc, c'est un de mes produits que j'aime vraiment beaucoup. On a ensuite des fibres. J'en ai deux pots. Marie-Ève, j'ai ton pot. fibres à la pomme. On a aussi les fibres à l'ananas. Elles sont sans gluten. Les fibres, là, c'est vraiment un must pour les gens qui vont pas à la selle de façon régulière, qui ont la diarrhée ou encore qui sont constipés ou qui n'ont pas une régularité. C'est super le fun d'être régulière, d'aller à la selle de façon régulière à tous les jours, à peu près à la même heure, de pas être constipé, de pas avoir la diarrhée non plus. Donc, ça vient régulariser le transit intestinal. Ça vient aussi décoller toutes les matières fécales qui sont prises dans notre système digestif, d'où les ballonnements, l'inflammation. On peut stocker de 7 à 10 livres de matières fécales dans notre système digestif. Donc, c'est un peu dégueu, puis ça pourrit là, ça fait qu'on est gonflé. Super important. Puis, il est fait de fibres solubles et non solubles, ce qui fait qu'il n'a pas l'effet laxatif non plus. Voilà. J'ai commandé le H3O. C'est un supplément que je prends vraiment l'été, un peu comme les Gatorade de ce monde. C'est un mélange d'électrolytes et puis de glucides. Donc, au niveau de l'activité physique, quand on a une journée où on est plus actif, qu'on va faire une longue ride de vélo, un entraînement modéré, ou même une journée qu'on travaille sur le terrain, mais veut, veut pas, l'hydratation va être très importante au niveau de l'énergie puis au niveau d'être capable de l'endurance au niveau de l'entraînement aussi. Donc, le fait de combiner les électrolytes avec les glucides va vraiment augmenter l'absorption de l'eau par le corps, la vitesse à laquelle notre corps va se réhydrater. Super le fun. Les glucides aussi, c'est une belle source d'énergie quand on est actif, donc c'est un bon moment pour les intégrer. Souvent, quand on va marcher, même avec les enfants le prennent. Ah, un de mes chouchous! Elle fait bien noir tout à l'heure. Je vais ouvrir la lumière. Il y a un gros nuage qui est passé. Le thé aux pêches, c'est un de mes coups de cœur. Je suis très thé brésilien, là. Moi, j'aime beaucoup le thé brésilien. Il est très activant. Il donne vraiment beaucoup d'énergie. Il aide au niveau de la digestion aussi. J'en ai un. J'en ai un. Je vais vous parler en même temps. Donc, le thé brésilien contient de la guarana, ce que lui ne contient pas. Par contre, les deux sont hydratants. Les deux comptent dans notre hydratation. Contrairement au café qui peut déshydrater, c'est de la caféine qui provient de la théine et de la guarana. Donc, il donne une super belle énergie constante, sans le up and down que le café, par exemple, peut procurer ou les boissons énergisantes. Il vraiment donne une énergie stable. Par contre, l'été, j'aime beaucoup l'après-midi prendre l'été aromatisé. Il y a pêche, citron, framboise. Anaïs a besoin de quelque chose si vous êtes accroché à côté sur le congélateur. C'est compliqué, hein, ça? Donc, l'été, c'est le fun parce que ça peut nous faire une super belle boisson rafraîchissante, mais qui donne aussi de l'énergie. Fait que je varie l'été. L'été! Je varie l'été. Avec l'aloès, ça permet de faire des super beaux drinks délicieux. J'ai les probiotiques pour ma boisson matinale. Donc, gestion des bonnes et des mauvaises bactéries, la
variété aussi des bactéries qui se trouvent dans votre système digestif est super important. Plus qu'on a des bactéries de différentes souches, mieux c'est pour notre système digestif. Donc, probiotiques à tous les jours, réduire l'inflammation, les ballonnements, y aide vraiment aussi pour les personnes qui souffrent colon irritable, inflammation alimentaire, intolérance. Vraiment un must. Et finalement, le Nightwork. Le Nightwork, c'est un produit que j'apprends à mettre dans ma routine. C'est un produit qui vient travailler au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, le flux sanguin, la dilatation des vaisseaux, il agit la nuit. C'est un super beau produit qui a gagné un prix Nobel, un lauréat, un prix Nobel en médecine. Il y a deux saveurs, mangue, orange mangue, celui-là, et il y a une saveur citron aussi. Donc, super important, la santé cardiovasculaire. On entend de plus en plus des gens de tous âges souffrir d'AVC ou de troubles cardiaques. Encore plus quand on s'entraîne, la dilatation des vaisseaux, le flux sanguin, c'est super important. Donc, c'est un supplément que je suis en cours d'apprentissage. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous dirais que c'est assez subtil l'effet, mais tu sais, considérant que c'est interne puis que j'ai pas de problème cardiaque connu, ça va me maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Vaut mieux prévenir que guérir. Fait que voilà, ça fait le tour de ma commande. Sur ce, s'il y a un produit quelconque qui vous intéresse, qui vous suscite des questions, quelles qu'elles soient, ben n'hésitez pas, venez me jaser et puis ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis quand vous achetez des suppléments avec moi, vous obtenez pas juste une bouteille que vous recevez chez vous, vous obtenez gratuitement mon coaching personnalisé aussi. Donc on travaille ensemble à l'atteinte de vos objectifs, quels qu'ils soient. Santé digestive, énergie, perte de poids, prise de masse, juste une meilleure alimentation, un mode de vie sain, manger bien, puis être au summum de notre machine digestive, sommeil et tout. Donc voilà, tu as accès à mon groupe client aussi dans lequel on vient travailler toutes les sphères qui sont importantes dans le cheminement, donc la nutrition, l'entraînement, puis la motivation. Puis j'en profite pour t'inviter au Fit Camp. Je sais, j'en parle tous les jours, je pense, mais ça commence officiellement lundi prochain, lundi 19h, Saint-Joseph-du-Lac, au parc Jacques-Paquin. Si t'es pas inscrit, passe me voir, passe voir la page Fit Camp Saint-Joseph, ça va être malade. Ciao, bonne soirée.